Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu bizarre parce que moi, je suis tout à fait bizarre. C'est très bien que j'ai reçu de la part de mon frère un bon message et ça me fait plaisir. Ça, c'est commenter, c'est écrire quelque chose de bien sur Facebook. Même si la chose est mauvaise, je suis content. Alors, si toi tu écris quelque chose sur mon compte trop petit, moi je ne vois plus. Je ne sais pas voir. Il me faut des lunettes comme celle-ci. Donc, je filme avec le GSM Samsung parce que je ne peux pas filmer les derniers achats de la Panasonic Lumix. Et je vous dis. Je ne sais pas me voir pourquoi l'écran, on ne sait pas, on se l'est pivoté seulement à l'arrière, mais pas devant. Donc, j'ai essayé de faire une vidéo recette, mais ça n'a pas bien fonctionné, mais ce n'est pas grave. Alors, je dois faire attention à ce que je mets dans les vidéos parce que sinon les gens ils commencent à pleurer. Amen. Oh, maintenant, bientôt, tantôt. Moi, j'ai trois passions. Le timbre, la collection, peindre, faire des cadres, artiste. Je suis à peu près comme Van Gogh. Et ma troisième passion, c'est nettoyer. Nettoyer et nettoyer. Si j'arrive à nettoyer, parce que les hommes, ils ne savent pas nettoyer, moi, je ne sais pas bien nettoyer. Mais les familles savent nettoyer. Alors, de quelque part, il faut l'aider. La petite dame, il faut l'aider. Et c'est pour ça que moi, je vais faire ces vidéos. C'est parce que, bon, il y a les autres qui disent, tu ne sers à rien. Mais moi, c'est normal que je ne sers à rien. C'est tout à fait normal. Ben, je n'ai plus travaillé parce que je suis coupé en deux. Je peux marcher, je respire bien, je nique bien. Ça va pas, c'est la forme. Mais de ce côté, je ne peux pas me plaindre. Ou plaindre, 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 plaindre. Alors, je vous explique pourquoi je fais toujours en français, avec ma façon de parler en français, on dirait du Marseillais. C'est parce que j'étais tellement dégoûté vis-à-vis l'Italie. Oh là, c'est le plus beau pays du monde. Hein. Mais il y a des autres pays qui sont très beaux. Parce que je vis ici, parce que j'ai changé radicalement ma façon d'être. Ah oui, autre chose, je m'appelle Pepe Fata. C'est-à-dire le vieux qui est fou. Donc je suis Pepe Fata. Si vous allez sur mon blog. Oh, c'est une espèce de bloc parce que moi je ne suis pas un informaticien, mais je vais apprendre. Et alors, j'ai fait l'hymne national pour des gens comme moi. Et viva Maria, Maria. Bon, ça c'est un compliment. Alors, j'ai dit qu'il faut faire attention à ce que je raconte. Je suis cinéaste moi-même, réalisateur moi-même, acteur, 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 acteur. Je suis acteur. Et alors, à tout de suite. Grand sourire. Alors, toujours avec les GSM, mais je filme. Ma troisième passion, c'est ça. Montre. Le médecin m'a dit qu'il faut faire la gymnastique.
grâce à cheveux. C'est un cheveu blond. Tu es ma blonde, tu fais beau, fais beau. Tu es ma blonde, tu fais beau. Alors, instruction. Mouiller les torchons de la marine. Je sais pas comment on appelle ça. Un chauffeur, je sais pas. Déplacer légèrement les seaux. Et puis après, déplacer les tables et nettoyer. Voilà. Droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, je suis fatigué. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Voilà. Il n'y a rien qui manque. Déplacer le saut et reprendre. Comme ça. Moi, je ne suis pas nettoyé. Je suis pas loin. Gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Voilà. Gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Si les femmes qui regardent ces vidéos, ils aimeraient bien avoir un mec comme moi. Hein? Comment? Je suis déjà prise. Je suis déjà prise. Ma maman, il arrive après. Bon, je sais que ça ne fait pas rigoler à tout le monde, mais je n'ai rien à cirer. Voilà. Nettoyer très bien. Nettoyer, ça fait de la santé. Break, 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 break. Ah, il y a un rayon de soleil en Belgique. Aggiornement, il est 11h. On est allé, je ne sais pas. Il faut bien se comporter. Quand on fait une vidéo, surtout, ne dire pas de mauvais mots. Enculé, pardon, excusez-moi. Alors, si ça vous plaît pas les vidéos, vous prenez une gomme et vous... Non, mais c'est bien, en fait, bientôt je vais faire des bonnes vidéos. Mais non, j'ai compris le système, j'ai compris le système. J'ai compris le système. J'ai compris. Moi, je pense que si je commence à faire les cons comme avant, je serai très bien. Ni rien penser que la mer du Nord. C'était le temps.
C'était les temps des Bruxelles, Bruxelles, c'était les temps. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos au Canada. Moi, j'aime bien la nature, le Canada, surtout le froid. Mais alors, espèce de con, pourquoi tu postes ton vidéo que tu vis au Canada, il fait trop froid et je retourne en France? Mais tu ne devais pas aller au Canada, reste en France. En fait, c'est des trucs imaginables, c'est des trucs de dingue. C'est des trucs de dingue, parce que l'accent canadien, on dirait Lauri Hardy, en fait, c'est deux comiques, Stagliori, comme on dit en italien. Parce que, à mon avis, il parle avec l'accent anglais avec les Français. Comme par exemple, on dirait du Barèze. Barèze. En fait, c'est vous n'allez plus au Canada, allez à Bari, et là, c'est la même chose. Seulement, ça change les mots. Mais c'est la même langage, la même musique. Je comprends les pommes d'or. Fait tout le mercato, adesso vado a casa, perché che mia moglie è contenta. Così parla, e così ha stessa cosa, e c'è la même chose che le canadienne. Ma le femmes canadiennes, elles sont bonnes, hein. Ils ont un cul. La cul. E c'est comme ça que tout va bien. Voilà, et bientôt, maintenant, je suis arrivé à 3 minutes presque que j'enregistre maintenant. Tout au contraire, 18, non, c'est 3 minutes et quelque chose. Ah oui, je voulais dire autre chose. Hein. J'ai dû enlever les vidéos sur Facebook parce que. Mais je vais remettre des autres vidéos très beaux, très jolies. Donc vous n'avez plus besoin d'écrire un commentaire, qu'est-ce qu'il est con, connard, va te faire voir. Je l'ai dit moi-même, je suis con quoi. Quand j'étais petit garçon, j'étais vraiment con, en chantant. Ah, je ne me suis pas fait la barbe, je ne me suis pas rasé, j'ai beaucoup de poils d'ailleurs. Je suis comme un style Starzone. Alors, je me demande, s'il va continuer à faire beau parce qu'il y a le réchauffement des planètes. La dernière connerie qu'il a mis l'État, ou certains États d'Europe, une loi à la con, donc c'est-à-dire qu'il faut passer à l'euro 6, pour mettre l'essence et le diesel, parce que l'euro 4 et l'euro 5, c'est pas bon. Et tout ça, c'est du business. C'est du business, un énorme business. Croyez-moi, donc, ils obligent les gens d'acheter des voitures récentes, et tu peux plus rouler d'une voiture qui a 6-7 ans. C'est incroyable, incroyable, incroyable. C'est vraiment, franchement, il faut que tu donnes l'argent au ministre, tu donnes l'argent aux parlementaires, parce qu'ils sont contents, eux. Mais ils ne sont pas contents les gens qui vivent sans rien faire. C'est comme ça qu'on parle canadien. Mais j'aimerais bien y aller. Mais j'aimerais bien y aller même au Brésil. Il y a plein de cocottes. Brésil, c'est, ils sont toutes belles, les Brésiliennes. Les petites, les grandes, les moyennes, toutes belles. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Mais, oh, il y a un téléphone, on est en direct, mon Dieu. Allô? Ouais, c'est moi, maman, elle est où? Elle est allée chez la nonne. Ah, ok, pour ça, elle ne répond pas. Ben oui, il ne répond pas, quoi, je ne sais pas, moi. Ok, ça va. Ok, il va prendre... Comment? Des saucisses? Non, des saucisses. C'est quoi ça? Truc japonais, papa. Je sais pas comment te dire.
Ah, j'ai compris. Ça va, je parle canadien maintenant. Ouais, ah, ça va, alors tant mieux pour toi. Allez, au revoir. Hein. Je suis occupé à nettoyer un bœuf. Ah, ok, ça va, alors. Salut, Ouais. va. Ciao. C'est tout ça, c'était moins, c'était très bien. Faites-le tomber, Bruxelles, Bruxelles. Alors, j'ai déplacé ma tout grande caméra à 3-4 par 4-4, parce que je vais continuer. Sinon, c'est madame, il vient. Ah, je vais me faire payer, hein. 3-4 euros, c'est bon, hein. Pour m'essuyer la gueule. Bien. Alors, étant donné un petit peu quelque chose, qu'est-ce que c'est? De la poussière. Donc, mode d'emploi. Voilà. Déplacer les seaux. Prendre la distance. Plier légèrement les jambes. Je suis comme James Bond. En fait, les couples d'aujourd'hui, ça devient. Et si, ça existe en Finlande, je ne sais pas où, pour ne pas se séparer. Il y a les maris qui gardent l'enfant, il a un an payé sans rien faire et tout. Enfin, ils se partagent. Et après, il y a la maman. Donc, les maris, pendant un an, ils doivent nettoyer. Faire à manger les enfants, les promener. C'est-à-dire que là, c'est les rois, les royaumes des vélos et des poussettes. Imaginez un peu, c'est, vous devez aller au centre des Bruxelles. Si vous allez au centre des Bruxelles avec les poussettes et les vélos, il va plus voir des voitures. Mais l'État, encore une fois, il va s'inventer quelque chose parce que tu dois payer des taxes. Tu dois payer des taxes, tu dois payer des taxes, tu dois payer des taxes. C'est tout. Tu payes des taxes, tu fermes ta gueule. Si tu ne fais pas ta gueule, tu fais pas les taxes. J'ai vu ça tout seul, vous savez. Donc, je vais déplacer ce mode d'emploi là-bas pour terminer de faire ici dans les salons. Quand moi je suis né, ma mère il me prend dans les bras et disait à tout le monde, aide-moi à les faire sourire. Ah oui, la grand-maman, la grande maman. La maman! Alors, je vais déplacer, excusez-moi mademoiselle, là. La la. La 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 la. Voilà. Après, je retourne là-bas. Bon, les pas, je ne les compte pas parce que je les connais. Je connais cette œuvre. Et je vais prendre les sous, les déplacer.
mouillé. Et nettoyer, plier les jambes, tourner, oh, il y a une grosse tache ici. Quelqu'un l'a chié par terre. Remouiller. Déplacer les sons. Descendre. Je vais passer dans la toilette. Attendre la lumière, recommencer. Et voilà. À peine nettoyer la course. La coussine. Ben oui. Les bons dieux, il n'a pas créé un antivirus dans le cerveau. Ça, c'est à réfléchir. Hein. Comme les téléphones, les GSM maintenant d'aujourd'hui. Tu vois des gens que tu rentres dans un tram, tu prends un bazar public, je ne sais pas quoi là, alors ils sont là avec leur GSM. Il dit, ça ne me plaît pas. Mais tout, ça va où tout ça? Dans le cerveau du téléphone. C'est-à-dire que les bons dieux, ils mettaient un antivirus, parce que ça c'est un antivirus. Hein. C'est un antivirus, virus. Hein. C'est, tu vas éliminer. Tu imagines que si tu avais 500 gigas dans un petit téléphone, tu étais là toute la journée. Hein. Alors ils commencent à envoyer des MS, MSSM, je sais pas. Enfin je sais pas quoi il faut vite. Mais téléphone lui, espèce de con, tu vas encore plus vite. Oui, écoute, tu viens plus sur mon blog. Voilà, c'est tout simple. C'est quoi? Même une gamine de 10 ans. Et il fume. Ici, j'ai deux écoles maternelles, un peu plus grand, hein, un peu plus grand. Hein. Déjà, la mademoiselle, quand il sent son sein qui pousse juste légèrement, il fume, quelle horreur, il fume. Quoi? Mais non, c'est la vérité, c'est vrai. C'est la vérité. Pourquoi? Alors on donne l'éducation aux enfants. C'est surtout ici les mères belges. Hein. C'est nul. Déjà la gamine ici en face, le monde de Dieu, c'est l'heureux. Presque la moitié de ses filles, il a 8 enfants, ils sont devenus lesbiennes. Peut-être qu'il y a des manches qui disent non, je vais essayer autre chose. Bon. C'est leur liberté de faire lesbienne à 14 ans. Et j'ai connu une fille qui c'est un homme, il a 12 ans. Non, une fille, 12 ans, il se laisse pousser les moustaches parce qu'ils ont inventé des hormones incroyables. Alors, soit que tu naisses dans un corps que ce n'est pas les tiennes, espèce de con. Tu prends des hormones et il devient une femme le jour au lendemain. Et tu demandes, mais cette mademoiselle, je ne la connais pas. Bizarre ça. C'est le monde au sens qu'on fait.
Tant que le bon Dieu qui se devait créer un antivirus dans le cerveau, il faut lever les choses mauvaises. Alors là, tu dis bien. Et puis là, l'horreur, les PD. On appelle ça les PD, les fraudes, je ne sais pas les mots, comment ils l'appellent là. Je ne sais pas comment ils font. Mais si avec un trou, tu dois les chier, comment tu fais, maître à bouchon? Comment? Bon, je vais faire la cuisine. Moi, je l'appelle la cuisine. Voilà, laver là-dedans. Pas là, ici, là. Là-dedans. Je vais mouiller légèrement ma brosse. Et je vais nettoyer. Je vais te déplacer en cours, mademoiselle. Je vais te mettre ici. Je vais t'ouvrir un peu les jambes. Aïe. Voilà. Je vais aller là, ici. Quelque part, ici, là. Et puis je vais nettoyer, j'ai terminé. J'en ai marre. Voilà. Hé, quand tu dis, toi, un peu, moi, je vais aller plus vite ici parce que j'ai plié les jambes. J'en ai marre de faire le bon emploi. Voilà, c'est fini, hein, merde. Ouah. L'eau, elle est presque noire. Ouh là là. Les châles. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Bon, j'espère que cette vidéo, ça va vous plaire. Comme ça, moi, je fais rien presque tous les jours. J'ai pas envie de rien foutre. Je ne sers à rien. C'est très dur la vie. Parce qu'avec ces vidéos, j'ai fumé déjà 3 cigarettes, 4. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Bientôt, j'espère que... Je vais avoir un peu de sous parce que... Moi, j'ai envie de filmer avec... la Lumix. Oh! Parce que la Lumix, elle est super. Faire des photos impeccables. La grande mythe. Ils sont intelligents. Hein? Par contre, ici, il y a un antivirus. Si tu veux appuyer, tu appuies. Si tu veux pas, tu appuies pas. C'est tout simple. Je me demande. Ah oui, la dernière cornerie du gouvernement, parce qu'ils en parlent. Mais il y a les autres qui ne disent rien sur Facebook. Mais non, être autonome.
être autonome, mettre des panneaux solaires, être autonome. Qu'est-ce qu'ils ont inventé cet état qui est vraiment... T'arrives à un certain moment où tu ne sais pas suivre, tu as peur d'ouvrir ta boîte lettres. Tu as peur d'ouvrir la boîte lettres. Et donc les panneaux solaires, ils donnent une forte prime. Et tout d'un coup, les cadastres, ils montent. Pourquoi? On est en 2019. Et quand on va aller en 2020, ça va être très grave. Comme ça, je m'entraîne à parler avec l'accent canadien parce que les jours que je vais aller, je ne retourne plus. Alors. Et de toute façon, au Canada, ils s'acceptent plus tout. Ils s'acceptent tout le monde, un fou, un malade. Donc, si moi j'ai mis les panneaux solaires, ils vont monter. C'est grâce à monsieur que j'ai parlé dans la rue, certains voisins ici. Et ici derrière, il a mis des panneaux solaires. Il dit c'est bizarre. Avant, j'ai payé 1200 euros, et maintenant 1400 euros. Pourquoi? C'est quelqu'un que je connais. De temps en temps, on fait une promenade par consomme. C'est un pépé comme moi, il a 60 ans. Et il ne s'est pas rendu compte. Moi, je dis, va aller au service cadastral. Eh bien, il m'a donné raison. Donc, c'est des enculés. Tu ne payes pas des taxes, mais tu payes l'augmentation de ton cadastre. Pourquoi tu mets tes panneaux solaires? Pourquoi? Ce n'est pas normal du tout. Donc, autonome. Mais non! Qu'est-ce qu'ils sont occupés à faire? De mettre une forte taxe pour un camping-car qui a des panneaux solaires. Alors tu vas aller, il y a une fille ici, une chinoise, qui est mariée avec un belge, donc c'est un mixte, si on peut. Comme un noir avec un blanc, il faut un cappuccino, c'est à peu près la même chose. C'est pas question pour vexer. Hein. Et il va trouver la surprise parce qu'il a mis ses panneaux solaires. Il a demandé la prime parce qu'il a c'est son droit. C'est la loi belge ou la loi européenne. Parce qu'avant, ils ont mis la taxe, je ne sais pas si on la paye encore. Si tu as un puits ou une piscine, donc il prend l'air de ton herbe, de ta pelouse. Vous avez détruit une pelouse, tu dois payer une taxe. Je dois arrêter. Bon. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Ça va, c'est beau. Il y a mon beau-fils qui m'a apporté les sushis. Il faudra les couper. Et puis goûter. Moi, j'ai préparé déjà soja. C'est elle qui l'a fait. Comment il a fait, je ne sais pas. On va goûter. Hein. Mmh. Et alors ça, c'est pour faire. C'est une page fouettée, c'est pour mettre le vol au vent qui est ici de la boîte. C'est confectionné. En tout cas, les sushis, les bons. Hein. Seulement, le problème pour les couper, je vais manger seulement ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une algue très grande. Les riz, il a fait elle-même. Il a fait un mélange avec entre pêlée et poisson. Ça, c'est une bonne recette. Et puis, pas mal du tout.
Et ça, c'est le sushi que David va manger. Mon fils, qui est à l'hôpital. Je ne sais pas comment il a fait. Je vais pitié. Hein. C'est une délice. Donc, je vais terminer la vidéo. Pourquoi? J'espère que tout le monde il regarde cette vidéo parce que je vais les poster sur Facebook. Je n'ai rien dit de... Et viva Maria! Qui ne vaut pas me critiquer comme d'habitude parce que... Il me critique les formes des bulles petites. Mais si tu mets, si vous mettez un commentaire et moi je puisse comprendre pourquoi, alors moi je serai plus content. Comme par exemple, écrire un commentaire. Écoute bébé, il y a tout et ça va pas parce qu'elle rit les jours après, etc. Ton merde, t'es à coup. Là, je serai plus content. Et ça, toi tu écris quoi que ce soit. Je sais pas, moi je comprends rien. Donc je comprends. Et alors moi je fais un examen avec mon attitude. Que j'ai mon cerveau. Parce que c'est le bon Dieu, il n'a pas créé un attitude. Vous avez compris quoi? Pour faire une base de calcul d'intelligence. Vous retournez à la corne. Et vous vous dites quoi? Voilà. Vous pouvez dire quoi? Je me fatigue déjà à parler, voilà, c'est comme ça. Je me fatigue déjà à parler. Pourquoi? 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 Herbert Villard. Je ne sais pas comment il s'appelle ce chanteur. Je ne sais pas comment il vit sa vie parce qu'il est malheureusement été en orphelin. Oulala, ça va être dur quand tu naisses orphelin. Moi, j'ai connu. J'ai eu la chance de connaître ma mère très peu de temps. Mais... Voilà, j'ai quelques souvenirs, c'est bien, il faut avoir quelques souvenirs dans la vie. Mais quand tu es enfermé dans quatre murs, que tu n'as personne, personne, c'est pas... Parce que je répète aux parents, pour ces fillettes et tout, parce que maintenant il y a des filles à 16 ans, ils sont déjà enceintes, tout ça. Il faut lui donner l'éducation. Il faut persévérer, pas comme cela en face qu'il a quatre lesbiennes, je ne sais pas quoi là. Bon, c'est, ça ne me regarde pas, mais la question, la critique, c'est une critique. Si moi je lui dis, pendant deux jours, je raconte mon histoire, et je lui dis, je les mets en garde, mais ils s'en foutent, c'est ça les Belges, malheureusement. Peut-être moi j'ai eu de la chance, mes enfants ils sont bien, ils sont mariés, tout va bien. À part l'accident, mais tout va bien, voilà. C'est ça la chose très importante de la vie. Et puis après tu fais ce que tu veux. Mais... Parce que moi franchement, hein, c'est marier, faire des gosses, acheter maison, t'es toute ta vie pour que t'as rien. Petit. En conclusion, c'est, ça sert à rien. Mais tu fais parce que tu es sur terre pour quelque chose. Nous autres, tout le monde. Parce que quand on va aller de l'autre côté, qu'on va mourir, voilà, tout simple, ton esprit reste, c'est ton corps qui parle. Il faut mettre ça dans la tête, c'est ton corps qui parle. Et ton esprit reste. Moi, je suis sûr et certain que ma mère, ma soeur, notre soeur, qui sont partis, me regardent. S'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et alors, quand il naît un enfant, il va avoir une douce, il meurt.
du côté du garçon. Du côté de la fille, il va avoir une mort dans ma famille, et du côté du garçon, il va avoir la mort. Mais c'est comme ça, c'est, tu laisses, tu crèves, et puis c'est comme une chaîne. Tac, 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 pop, oh, tac, 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 tac. C'est comme ça. C'est comme... Oh, pardon, ça c'est... Donc, à la Lumix. Je ne sais plus si c'est canon. Non, c'est pas canon. Soit Lumix, c'est la Lumix, c'est la GX80. Ils vont... Maintenant, j'ai envoyé un message à des vlogueurs, des tubeurs, moi j'appelle les tubeurs. Est-ce que c'est possible de mettre un deuxième écran? Eh bien, moi je vais dire à eux, oui, c'est possible. Il suffit de mettre un écran. Et même un microphone, un micro extérieur, tu peux le mettre. Il faut acheter d'abord une cage. Et puis, c'est un micro tout simple. Ego. Je ne sais pas comment il s'appelle, Pego, je pense. Et donc, c'est évidemment, tu dois, quand tu achètes l'écran à part, il faut la cage que tu peux l'appliquer dessus, que comme ça tu te regardes, tu te fais mieux en même temps. Mais il y a les GX, la sec, que tu peux pivoter l'écran. Alors là, ça va. Mais ils ont un petit défaut, parce que quand tu mets sur les côtés que tu pivotes ton écran, il y a la rentrée pour mettre les micros, pour mettre les... Et donc les câbles ils dérangent un peu, donc tu as une partie d'écran que tu vois. Donc, en fait, c'est bien qu'on... De toute façon, c'est la 5 des Lumix, c'est très lourd, hein, parce que c'est une grosse machine. Celle-là, elle est petite. Il faut à peu près, pour modifier cela, moi je pense environ 300 euros, rien que pour l'écran à part. Alors, parce que la Lumix, il fait des images très belles, il filme très bien. Et voilà, donc je vais déguster un autre jour. Ça, c'est génial, des feuilles, je ne sais pas où on achète. Il y a des grands magasins, des grandes surfaces qui vendent des verres. Ils commencent, maintenant on commence avec les assiettes. Mais de toute façon, souvenez-vous que dans l'alimentation, il y a toujours des traces des insectes qu'on mange. Il n'y a rien à faire. Comme par exemple des bagues de dessert, des touffles pour faire la soie. T'as déjà, par exemple, il faut des chemises. Alors, imaginez un peu s'il y a des petits vers qui te commencent à marcher dessus. Toi, tout. J'ai trouvé ça tout seul. Bien, alors avec ça, des... Parce qu'avec la Lumix, il prend les sons. Si tu mets la Lumix sans micro, d'extérieur, tu mets à 20 mètres, et bien il attend ta voix. Il prend ta voix. C'est à niveau 4, à niveau 5. Et fort, et fort, et fort. Et les photos sont géniales, géniales, géniales. Non, on peut faire comme par exemple. Je suis con. Alors, et avec ça, je vous dis au revoir. Et bon, mon chef d'œuvre, je viens de réaliser. Voilà, c'est cela. Il est beau, hein? J'ai fait la peinture. Au revoir et bon. Ah, attends. Attends.
l'hymne national. Et viva Marie.